Dans cette vidéo, de beaux, de très beaux poissons. Et c'est parti avec les boys de Dakar, Akam et Marc, en Pacha, avec Pap et Mbaye. On va essayer de faire quelques poissons aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Allons voir. Et nous tombons dans les barracudas. Akam filme. Quel spectacle! Nous décidons d'en tirer quelques-uns. Akam commence. Son Basil Daniel est extrêmement efficace. Je descends. J'aligne de loin. Je sèche. Technique. Pour tirer des baras, il faut descendre, arriver à leur hauteur. Ils sont moins craintifs. Là, je suis négatif, voire neutre. Je peux le tirer. Attention, c'est dur. Attention, le bara est toujours dangereux. Derrière. Regardez. Eh oui, il nous a chargé. Nouvelle descente, un bara plus gros. Technique, je le laisse partir. Je suis loin du bateau, je lui laisse une dizaine de mètres de fil. Joli poisson. Akam descend sur des yards. À 14 mètres, il choisit et tire un beau poisson. Il le contre en remontant. Magnifique yard. À la surface, les sérioles montent. Quel coin magnifique. Les yards sont juste en dessous, dans 3-4 médos, un diabar et un second. Akam l'a vu, il se propulse, il va vers lui. Je traite l'image, le diabar est là. Il tire, et là, regardez, c'est un rush très puissant. Je laisse la séquence entière. Akam lutte pour tenir le poisson et regardez le temps qu'il met pour arriver à la surface. Le diabar est un poisson extrêmement puissant. Bravo, bien maîtrisé. Superbe Dentatus. Je descends à mon tour sur 24 mètres. Je vois des diabars. Mais ils sont craintifs. Mon fusil André est puissant. 125, flèche de 8,5. J'attends une fenêtre de tir. La voici. Je tire de loin. Le diabar démarre, mais je le contre. À la surface, je sais que je ne l'ai pas traversé. Alors regardez la rapidité pour doubler le poisson. Net. La flèche n'avait pas traversé. Je redescends avec mon fusil. Et là, un énorme cobia. Je m'applique. Et là, c'est un rush ultra puissant. Le cobia fonce sur moi. Mais ne me percute pas. Je le double, mais j'éteins la caméra.
à la surface, regardez. Je me cache derrière. Voilà pourquoi. Si j'avais été présent, le cobia m'aurait foncé dessus et peut-être blessé. Je m'éloigne. Je regarde la puissance du poisson. Pap et Mbaye se battent avec lui pour essayer de le prendre. Le cobia est superbe. Il est encore fort. Quelle puissance. Là, tu l'as, Pape ? Parce que je pense qu'il Pape fait le prend. Kilos, 40 kilos. Et non, coup de tête. 40. Un monstre. Je me méfie. Cette fois-ci, il va monter dans le bateau. Tu l'as ? Attention aux flèches. Quel poisson. Attention aux pieds. Levez les pieds, levez les pieds, levez les pieds. C'est pas un gosse, hein. Tiens. Wouhou. Nouvelle descente, au milieu des Diagatoun. Mais il y a d'autres poissons. Akam cherche une carpe rouge. Il pousse en apnée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer tes notifications. Le poisson est là. Voilà un ouf. Il le tire et le sèche. Je suis à 25 mètres, je cherche un poisson, je sèche ce Gorenzis. Peu de temps après, Marc descend et fait ce beau poisson. Bravo Marc, magnifique en décacanthus. Akane se prépare à la gueuse. Au fond, il cherche un poisson, il l'a repéré, séché net. Je redescends vers une faille, je cherche le poisson et je vois une badèche. Mon fusil est tellement puissant que je recule pour la tirer. La flèche est très rapide, la badèche n'a presque pas le temps de tourner. Quel beau poisson. Sacré badèche. À bientôt.